Nous allons entrer dans le château à partir de la trappe que nous avons trouvée juste ici. Et dont l'emplacement nous a été communiqué eh bien par l'un des personnages que nous avons libéré de la glace. Alors, il me semble qu'il y a pas mal de pièges dans cette zone-là, qui nous amènent vers la prison. Oui, d'ailleurs, mais ils sont là. Alors, heureusement, j'ai acheté pas mal de... Enfin, pas mal. Quelques kits de désamorçage. Oh là là, par contre, il y en a un peu trop, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire sauter tout ça? Faire un peu à la bourrin, hein, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on envoie un coup de flotte. Et oui, donc, mais par contre, on a toujours le problème. Le problème du poison. Alors, tiens, on va réessayer ça. Pour faire sauter le poison, voilà. Et on renvoie un coup d'eau. Mais bon, sauf que ça suffit pas parce qu'il y a encore des pièges. Bon, c'est pas grave. Au moins. On aura enlevé une partie. Ok. Évidemment, on est toujours dans une zone glacée, donc on se vautre. Bon, non, sérieusement, mais ils sont glacés sur quoi? Mais hey! Attends, mais il n'y a pas de glace là. Ça me saoule. Ok, alors deux chemins s'offrent à nous. Oh, putain, sérieusement. Non mais c'est pas logique ça, putain. Alors, on va passer par là. Aïe, aïe, aïe. Il semble y avoir de l'électricité dans l'air. Alors, ah. Je suis un peu trop approché. Je déteste les pièges. Franchement, je suis pas assez patient pour ça. Non, pas là-bas. Voilà. Alors. Bon, on va essayer de jouer un peu mieux. Là, on va vite désamorcer ça. S'il a le temps. Ok, il a eu le temps. Ici, il y a encore des pièges. Il n'y a rien d'autre. Ok, donc en fait, c'est pas vraiment deux chemins. Hein, ça mène au même endroit. On va avancer délicatement. Qu'est-ce que je vais en foutre de ce truc? Attends, j'ai une idée. Hop. On va faire venir la magicienne. On va téléporter ce bidule loin. Ok, j'avais pas vraiment prévu ça, bon c'est pas grave. Bon, tout s'est séparé, ben là je le sens mal. Hein. Ok, et d'un, deux, trois.
Non, mais ils peuvent pas éviter les trucs, sérieusement. Bref, on est passé. Sauvegarder, hein, parce que ça se passe bien. Ok, c'est tout. Bon. Et là, on arrive dans la prison. On va creuser ici. Normalement, ça va nous permettre de sortir par là. Voilà. Et ici, c'est ouvert. Donc, parfait. On peut passer. Qu'est-ce que le rat a un nom? Donc, il doit avoir quelque chose d'intéressant à nous dire. Ok, c'était passionnant. Vierge de fer, on va pas y aller. Est-ce que ça permettrait pas d'ouvrir toutes les grilles? Ça, non, juste celle-ci, ok. Et celle-là, comment on y va? Comment on libère lui? Ça va permettre de fermer ça, sûrement. Et voilà. Ah oui. Et il y en a ici, par contre. Oh, ok. Donc là-dedans, il y a un kit, j'ai vu, de je sais pas quoi, là. Kit de hache. Bon, on va prendre. Là, ce personnage-là qui a l'air assez terrorisé. D'accord, donc lui, il vient pas de ce monde. It's full of dead bodies and vermin and the smell people see. Well, it'd be pretty fantastic if I knew what the hell were happening. Where I am, what I'm doing here. I got a what? No. No, I'm not crazy, please. Il n'a rien à faire ici, en effet. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une quête d'ailleurs pour enfin quelque chose qui permettrait de. Oula. Ok. Je visais donc quelque chose qui lui permettrait de rentrer chez lui. Bon, on va pas aller lui reparler, de toute façon ça sert à rien. Alors, oui, ça me. Ça m'évoque vaguement quelque chose, tout ça. Voilà, on attend que les statues regardent ailleurs pour passer. Ah oui, mais non. Mais non. Ah, ça va être bien.
Mais attends, qui c'est qui m'a vu là? Ok, ben en furtivité c'était bien en fait, hein. On va reprendre ce plan là. Non! Il faut aller vite aussi, du con. Oh, attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de gruger? À savoir, hop, on libère. Cible hors de vue, ok. Alors, hop, on approche un petit peu. Pas moyen de gruger, hein. Ok, et bon, on est passé. On a un téléporteur, donc du coup, nous allons profiter pour téléporter tout le monde. Alors, hop, hop. Voilà. Là par contre on sauvegarde, on recommence pas. Ah, il y en a encore. Ah oui, mais c'est pour aller voir, c'est pour aller chercher les... Est-ce que je suis cupide à ce point? Oui. Clairement oui. Oh putain, en plus c'est tout pourri ce qu'il y a dedans. Là, c'est un peu moins pourri, par contre. Alors, on continue. Je sens pas bien, là. À mon avis, on va avoir droit à un combat. Je pense. Ah non, à rue, et puis il fout là. Source Hunter, you have found us. Here she is at last. Ikara. Bon, ok, rien de spécial. Ok, donc on a trouvé Ikara. She has been in. You find me at a loss. I admit it. For I've no idea what sorcery or. Il existe un moyen de les libérer. So far, my attempts at rescuing her have been about as effective as trapping a robin's shadow. No, this frost-touched magic isn't Leandra's doing. It has Boreas written all over. Ok, donc il va falloir trouver. L'aura Boreas. Oh, finalement, il n'y a pas de combat. Hein. Ok. Donc, maintenant que nous connaissons la position d'Ikara, nous allons retourner à l'entrée du château. Eh bien, nous allons affronter le roi Boreas. Ah! Ding.
Jette-la bien. Ouais. Jette-la bien. Oui, parfait. Pas étourdi, c'est pas grave. Il est tombé. D'accord, mais en fait, c'est quoi l'idée? Il faut juste pas courir, c'est ça? Comment tu peux manquer ça? On va se soigner. Et c'est ça, faut juste pas courir en fait quoi. Bah c'est bien, il était temps hein, de trouver ça. On est bientôt parti de cette donne. Ok, bon, et maintenant il va falloir ouvrir. Ok. Là, c'est pas ouvert. Il faut dissiper le champ de force. Ok.